Je m'appelle Samba Sima, j'ai 19 ans, j'habite à Rueil-Malmaison et j'exerce le MMA. Mon activité, mon métier, je suis animateur et je suis entraîneur de MMA pour les enfants de 6 à 17 ans au sein du club Fighting Beat. C'est un club dans lequel je me sens bien. Je suis avec Malik qui coach très très bien, donc voilà pourquoi je suis ici. Je m'appelle Malik Sila, j'ai 39 ans, je suis coach au sein de Fighting Beat, je suis également combattant professionnel de MMA. J'ai commencé les sports de combat moi, par la boxe anglaise, côté de ça j'avais des amis qui pratiquaient le MMA. J'ai essayé, j'ai découvert cette discipline que j'ai trouvée riche et voilà, aujourd'hui je suis passé de l'autre côté et je pratique toujours. J'ai découvert Samba à l'occasion d'un entraînement, il est venu, il avait peut-être 13-14 ans. Cette passion m'est venue car étant petit, j'étais bagarreur. J'ai pu découvrir ce sport grâce à des médiateurs de ma ville. Et l'aspect technique et l'aspect rigoureux, ça m'a permis de m'épanouir. Et depuis, c'est une passion pour moi. Les valeurs du MMA, ce sont le respect, avant tout, la discipline, la confiance en soi, je vais dire. J'ai tout de suite vu chez lui des qualités, en tout cas athlétiques. Des qualités d'écoute aussi, qui a envie d'apprendre. C'est un travailleur, c'est un bosseur, et en plus de ça, il est doué. Donc quand vous avez ces deux facultés, vous partez avec de grandes chances de réussir. Neoptim suit Samba par le biais de son PDG Davy. À l'issue de certains entraînements, on a pu sympathiser et Davy a vu une certaine chose chez moi. Je m'entraîne sérieusement, j'ai faim de réussir et voilà comment on s'est rencontrés. Donc Davy, il a évolué et il sait ce que ça demande que de progresser, que de s'entraîner, que de travailler. Et je pense que c'est quelque chose qu'il a vu aussi à la découverte de Samba, au contact de Samba. Avec ses moyens, avec son expérience, il a fait le choix justement d'accompagner Samba pour l'aider à réussir, tout comme il le fait, je dirais, avec ses collaborateurs au sein de son entreprise, à devenir meilleur et à atteindre son potentiel, son plein potentiel. Davy, pour moi, à l'heure actuelle aussi, c'est un exemple. Il m'apporte un soutien moral, mental. C'est, on va dire, un mentor. Juste en le voyant et en voyant ce qu'il a acquis, ça me pousse à me donner à fond. La vie en entreprise demande du travail, ça demande de la remise en question, ça demande de l'adaptation et c'est la même chose dans le MMA. On ne devient pas fort comme ça, il faut travailler, il faut s'entraîner. Je me rends compte que j'ai de la chance d'être suivi par une entreprise, donc Neoptim, et aussi par Davy. Je me sens valorisé en gros, je me sens fort. Elle me permet aussi de m'entraîner dans les meilleures conditions. Et elle m'apporte aussi un soutien financier avec lequel je peux faire certaines choses que je n'aurais pas pu faire avec mon propre argent. Samba, avec ses qualités, avec l'accompagnement et toutes les possibilités qui peuvent arriver encore autour de lui, je le vois arriver vraiment dans une grande organisation, que ce soit européenne ou mondiale. Mon challenge pour la suite, c'est les championnats de France, gagner, les championnats d'Europe ensuite et les championnats du monde et devenir professionnel. Pour moi, Samba, c'est un athlète qui peut aller loin et faire de grandes choses dans ce sport, changer sa vie, changer la vie des gens autour de lui.